Boire de l'alcool, ça fait grossir ou pas? Elsie a testé pour vous un grand verre de cachaça à jeun. La cachaça, c'est du rhum brésilien, pour ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme à partir de ce moment-là? Mesurons la glycémie de notre cobaye. Vous savez que quand la glycémie augmente, le corps sécrète de l'insuline, qui est un signal pour mettre le corps en mode stockage. Alors, que se passe-t-il? La glycémie baisse. Étonnant, non? Tout va bien donc, puisque l'organisme se met en mode déstockage. Allez, je vais m'en refaire un autre, tiens. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Le cerveau n'aime pas du tout quand la glycémie diminue trop, car c'est un signe de probable baisse d'énergie. On peut même tomber en coma hypoglycémique. Le cerveau a donc l'impression d'être sur la réserve et vous envoie un signal extrêmement puissant. Il faut manger maintenant et le plus vite possible, et le plus possible. Résultat des courses, l'alcool lui-même ne vous fait pas grossir, mais stimule votre appétit et donc vous vous jetez sur les cahuètes et vous allez avoir super faim pendant le repas qui va suivre. Et là, vous allez stocker comme une brute, sauf si vous avez fait un coma hypoglycémique avant, ce qu'on ne souhaite à personne. Dans tous les cas, la modération s'impose. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur le blog de Elsie.